Debzou. Agression, c'est agression, c'est agression. Je suis désolée. Pour ceux qui comprennent pas l'arabe, Debzou, ça veut dire on se bagarre, on se fight. Mes choupio. Je bois du Danao. Je suis en plein dans les cartons. C'est un truc de ouf. Les filles, les gars, j'ai les clés demain. À partir de demain, ça y est, je suis chez moi. Demain à 14h. Et là, il est 20h. Donc, il est 20h18. Donc, dans une demi-journée, ça y est, je signe le bail, j'ai les clés. Et c'est parti pour le déménagement. Je suis vraiment heureuse. Hamdoulilah. Mes choupio, j'ai acheté des Raffaello et des bonbons créma pour mes petits tiroirs. Vous vous rappelez, je sais pas si vous rappelez, attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous rappelez de ces tiroirs. Je vous avais montré dans un hall décoration. Nous avons les chewing-gum, bubblegum. Nous avons les créma au caramel et à la réglisse. Nous avons les Raffaello. Nous avons les Werther's. Et là, c'est vide. Le dernier, il est vide, c'est déjà beaucoup. Je vais pas mettre des chips, non. Quelle horreur. Voilà. Et l'autre tiroir, il y a des barrettes pour les cheveux. J'en mets un seul. Voilà. J'aime trop faire ça. Toc toc. Je parle comme les enfants. Je dis comme les enfants. Je chante comme les enfants. Je réfléchis comme une enfant. Je fais des caprices comme les enfants. Je mange des bonbons comme les enfants. Quoi d'autre? Je suis une gamine. Peter Pan. Peter Pan. Là, ce que je suis en train de regarder derrière vous, derrière la caméra, c'est plein de valises, de cartons, de... C'est angoissant, ma chambre, elle est encombrée. J'ai fait mon lit, j'ai posé l'ordi dessus. Comme ça, là, je ne voyais pas la catastrophe qu'est ma chambre. Surtout les vêtements, j'ai trop peur. Faut que je les mette dans des sacs, faut que je puisse tout... J'ai envie de tout mettre dans les sacs et sans plier et de les ramener là-bas. J'ai peur. Et mercredi, demain, je signe le bail, j'ai les clés. Après demain. Je l'ai même pas dit. Après demain, je vais à Ikea et je me ferai livrer des meubles. J'en ai eu pour... En fait, j'ai fait une simulation d'achat de meubles sur Ikea pour voir le prix, la livraison, combien de temps elle va prendre et tout. Et donc, en 3 jours, je serai livrée, 3 jours après l'achat. Et ça me revient à tout ce que j'ai acheté à 400 et quelques. 400 euros et quelques. Une commode, un miroir, un matelas. Plus quelques petits accessoires pour la cuisine, par exemple, des trucs à 5 euros et tout. Mais en tout, ça me revient à 430 euros, je crois, ou 425 euros. C'est beaucoup, hein, ça coûte cher de déménager, en fait. Ça coûte super cher. Il y aura aussi le mois de caution à verser. Moi, j'ai pas de chéquier, donc je ferai un virement. Mais voilà, ben, en tout cas, je voulais vous dire, voilà, demain, vu que je suis le bail demain, ben, je vous emmène avec moi. Je fais un petit vlog. Comme ça, je vous montrerai l'appartement vide demain. Oh, je suis trop hâte pour vous, c'est dans 5 minutes. Pour moi, c'est dans longtemps. Demain, 14h. Oh là là. Oh là là. En fait, ce que je vais faire, c'est que demain, à 14h, je prends un sachet avec moi avec des chiffons, une serpillière, de la javel, du savon. Et qu'est-ce qu'il a l'ordinateur? Et comme ça, je signe le bail. Après, dès que j'ai les clés, je vais dans l'appart, je nettoie tout, je nettoie les placards, le sol, tout, derrière les meubles et tout. Il y a quelques meubles déjà, il y a une table, des chaises, il y a une commode et voilà, une table de nuit. C'était l'heure de la prière, je suis allée prier et je suis de retour. Donc je voulais vous dire aussi, demain je pense que je vais prendre la caméra avec moi, je continue à vlogger demain, comme ça je vous montre l'appartement vide. Vous aurez des images de l'appartement vide avant le house tour, le appartement tour. Et donc comme ça demain il y aura des images, j'arrêterai le vlog à quand je vous aurai montré les images demain. Donc à la fin de ce vlog et à la fin de cette vidéo là, il y aura des images de mon appartement vide. Et il y a mon appartement. Mon appartement, vous vous rendez compte? Je l'entends, ça me fait ouh, trop d'émotion. En tout cas voilà, alhamdoulilah. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, en fait j'avais envie de vous parler de comment j'ai reçu cet appartement, comment je l'ai ressenti, comment ça s'est passé. Parce qu'en fait c'est simple, quand je vous ai déjà dit plein de fois, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais bon je vous en ai assez parlé peut-être. Mais avant je vous disais souvent que depuis que j'ai fait la prière, depuis que j'ai commencé à faire la prière,
Ma vie, elle s'est facilitée à mort, je me sens apaisée, je me sens vraiment bien et petit à petit, tous les 2 mois, j'évoluais. Je vous jure, même ma psychiatre, elle m'a dit, vous évoluez tous les 2 mois et je suis sûre que vous allez encore évoluer les 2 prochains mois. Alors qu'elle est trop sévère, ma psy, elle est trop, trop, trop dure. Elle est dure avec ses patients. Elle aime bien la confrontation, elle aime bien piquer les gens. Et elle m'a dit, voilà, ça m'a étonnée de sa part, mais je suis contente. Elle m'a dit que j'avais évolué et que j'allais encore évoluer. J'ai commencé à être encore plus apaisée, encore plus heureuse, encore plus épanouie, épanouie quand j'ai arrêté la clope. Et là, en fait, ça fait 2 mois, peut-être plus. En fait, je rajoute beaucoup de prières surérogatoires. J'ai toujours surérogatoire, c'est surérogatoire. Après le drôle, je rajoute, je fais le drôle, 4 le 4, 4 prosternations. Et après, je fais 20 prosternations. Je rajoute 10 prières. Dans la prière, il y a 2 prosternations. Donc j'en rajoute 10, ça fait 20 prosternations, ça fait 20 prières en plus. 20 unités de prière, ça c'est des unités de prière. Et après le maghrib, après le asr, t'as pas le droit d'en rajouter. Mais je fais aussi le matin, en fait j'en rajoute. Bref, je vous épargne les détails, mais en tout cas je rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières surérogatoires. Et je fais tout le temps la prière à l'heure. Et ça c'était pas le cas avant. J'ai fait mon chemin petit à petit, mon petit parcours et tout. Même de visage, j'ai dû changer. J'ai mes dents, elles ont blanchi. J'ai un peu pris des joues. J'ai une meilleure peau. J'ai plus de boutons comme avant. Si vous vérifiez, j'ai plus de boutons là. J'ai pas de fond de teint. J'ai plus du tout de boutons. Et voilà, et depuis que j'ai rajouté ces prières surérogatoires il y a quelques mois, bah, ça s'est encore plus facilité ma vie. Ma vie est un délice. Oh, comment j'ai de la chance. Je vous jure, vous me croyez pas quand je vous dis que je suis la plus chanceuse du monde. Mais croyez-moi, je rigole pas. Vous me croyez pas. Je suis la plus chanceuse du monde. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. Alhamdoulilah, ya Alhamdoulilah. Je vous jure, je ne gagne pas. Je suis la plus chanceuse du monde. Parce que je prie, parce que j'ai ce courage-là de prier beaucoup. Tout va comme sur des roulettes dans ma vie. Dès que je fais quelque chose, c'est une réussite. Dès que je touche quelque chose, ça se casse pas comme avant, je cassais tout. Dès que je me suis embellie, j'ai plus les mauvaises fréquentations, les gens toxiques, il n'y a plus de gens toxiques autour de moi. Même les gens, ils sont devenus gentils, de plus en plus gentils. On dirait, en s'améliorant, les gens, ils deviennent encore plus gentils. Mais ça, c'est grâce à Rabbi, hein, c'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Je l'aime trop, Allah. J'aime trop, ya Rabbi, j'aime trop Dieu. Je l'aime trop. J'aime trop Allah, ya alhamdoulilah, ya Rabbil alamin, ya alhamdoulilah, ya Rabbil alamin. Allah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et voilà, bah j'ai trouvé un appartement. Vous vous rendez compte, j'ai trouvé un appartement, ça fait depuis le mois de décembre 2021 que je cherche un appartement. Ça a duré presque un an, ça a duré 10 mois. 10 mois. 11 mois même presque. Un an. Et il a fallu que je fasse des prières surérogatoires beaucoup, beaucoup pendant 2 mois que tout se débloque. Tout s'est débloqué facile, facile. En plus, c'est pas cher le loyer que j'ai trouvé, c'est un truc, un trop bon plan que j'ai trouvé. C'est des studios, c'est petit, c'est même pas. C'est 26 mètres carrés, je crois, 26 mètres carrés. C'est petit. Mais bon, c'est déjà bien. Alhamdoulilah. Vraiment, je suis heureuse. Tout ce que je voulais vous dire, quoi, en gros, pour vous expliquer un peu comment ça s'est fait, mon appartement, ma trouvaille d'appartement. Parce que, en fait, c'est petit à petit, plus j'évoluais, plus je faisais des choses intelligemment, plus je misais sur les bonnes choses, les bonnes habitudes et tout, j'ai pris des bonnes habitudes. Et plus la chance me souriait. Et je vous jure que j'ai une vie trop bien, j'ai une trop belle vie, alhamdoulilah. Ya Rabbi, j'ai une trop belle vie, je vous jure, j'ai une trop belle vie. Alhamdoulilah, ya Rabbi. C'est incroyable. Alhamdoulilah. Incroyable, bref. J'ai bloqué. Je suis en train d'halluciner sur ma life. Vous vous rendez compte, j'hallucine sur ma life. Je suis en train d'halluciner, wallah. Bref, je vais aller manger des pâtes fraîches. J'ai fait des tagliatelles à la crème fraîche et aux champignons. Donc je vais aller manger ça. J'ai fait à manger. En plus, je fais à manger maintenant. Vous vous rappelez, avant, je faisais jamais à manger. Je sais pas si vous vous rappelez. Je fuyais la cuisine à tout prix, le ménage et tout, tout. Maintenant, je suis à fond dans le ménage, à fond dans la cuisine. Je suis à fond et j'y prends du plaisir, un réel plaisir. Quand je serai chez moi, ça sera encore mieux, encore un plus grand plaisir. Vous vous rendez compte? Je vais faire ça tous les jours, ranger, faire à manger et tout. Alhamdoulilah, Inch'Allah. Inch'Allah al-khir. Inch'Allah le mieux, que si Dieu le veut, le mieux, j'ai dit. Le meilleur pour nous tous, Inch'Allah. Amen. Dites Amen. Amen. Sinon, je me suis acheté un sac. On passe du coq à l'âne, hein, vraiment la sacrée. J'ai fait une vidéo de ma collection de sacs de luxe. J'en ai en tout 5. Deux Guess, un Versace, un Dior et un Prada.
C'est que des vrais. Le Prada, c'est un vrai, je vous le prouverai. Vous n'allez pas me croire, sinon, parce qu'il est un peu vieilli, mais je vous assure que c'est un vrai. J'ai tout regardé sur le sac, tous les éléments pour savoir si c'est un faux ou un vrai. Tout est écrit, même la fermeture éclair, elle a la bonne marque et tout, 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 tout. J'ai fait cette vidéo-là. Je voulais la publier dimanche. J'ai fait la vidéo vendredi. Le samedi, je me suis acheté un sac sur Vestiaire Collective Coach. Et je vous jure, je me suis dit, mais pourquoi tu fais une vidéo sac de luxe pour acheter un sac après la vidéo, après avoir fait la vidéo? Comme ça, tu vas devoir attendre, parce que je la fais une fois par an cette vidéo. Et comme ça, tu vas devoir attendre un an l'année prochaine pour montrer ton sac coach. Donc j'ai gardé la vidéo, je l'ai pas publiée, je l'ai gardée dans mes fichiers, dans mon ordi. Et je la retournerai dès que je reçois le sac coach. Je le reçois dans moins d'une semaine normalement, ou dans une semaine, 8 jours, ou si elle l'a envoyé, la meuf, il vient d'Irlande le sac. Il est trop cute, vraiment trop cute ce sac. Un petit sac, un tout petit sac. Très mignon. Une bonne affaire, il était pas trop cher. Donc dès que je reçois le sac, je refais la vidéo à l'occasion de sac de luxe. Moi j'aime trop regarder ces vidéos-là sur le luxe, sur le make-up de luxe, sur le skincare de luxe, sur les sacs de luxe, sur le luxe. J'aime trop regarder ces vidéos-là. En tout cas voilà, donc ce soir je vais aller dormir tôt. Comme ça je me réveille tôt demain. Vous avez vu la voix que j'ai, je suis fatiguée. Je vous jure, je suis fatiguée. Oh là là. Ah! Oh là là. Non, ça fait une voix de robot. Là, pas trop. Bref. Allez, bisous mes choupios. A plus tard, bisous. The next day. Hey mes choupios. On a dormi, c'est le lendemain. Enfin, j'ai dormi, c'est le lendemain. Il est 8h39, j'ai 9 minutes de retard pour aller chercher des cartons à Super U et à la pharmacie pour mon déménagement. Il me faut des cartons vides. Je les récupère toujours dans les commerces comme ça. Les cartons, moi, bon, c'est gratuit, c'est bien, ils sont solides et tout. Donc je vais aller récupérer des cartons. J'en ai récupéré avant-hier aussi, ou hier. Hier, deux, mais c'est pas suffisant. Et après, on va action acheter le balai espagnol. Et cet après-midi, je vous dis pas ce qui se passe cet après-midi, vous avez compris, je pense. À force que je répète. À force que je répète, il est 8h du mat, allez, let's go! Et je vous montre ma tenue après, elle est trop canon, mon outfit. Je sais pas si vous voyez un peu là. Mais je vous montre mieux mon outfit tout à l'heure. Allez, let's go! Je prends pas ma caméra avec moi pour aller chercher les cartons parce que ça va me prendre les mains, de la place dans les mains, dans le sac et tout. Alors que j'ai besoin de toutes mes mains. On dirait, je sais pas combien j'ai de mains. J'ai besoin de mes deux mains pour attraper tous les cartons, ça va être galère de les amener jusqu'ici. Donc je prends pas ma caméra. Ça va déjà être assez galère comme ça. Bisous à toutes! Bienvenue chez moi les filles. Bienvenue, 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 bienvenue. Voilà, chez moi. Je vais faire le tour de l'appartement. Donc vous voyez ma merveilleuse cuisine derrière moi. Vous voyez que tout est blanc. Tout est très très propre. Je vous assure que tout est très très propre. Allez, je vous emmène, je vous montre tout ça. Là, on a une immense fenêtre. Ça, c'est trop bien pour la luminosité. On a la vue dehors. J'ai un vis-à-vis avec les voisins. Mais ils sont loin, ils sont pas juste en face. Quoique. Voilà. Je vous montre. Là, de ma cuisine, on voit comme ça. Il fait 24 mètres carrés l'appartement. Là, on a contre-jour. Je sais pas si vous voyez bien avec les volets. Faudrait que je ferme les volets, mais après, j'aurai plus de lumière. Et on a une armoire comme ça. Oui, oui, oui. Voilà, il faudra que je ramène mes cintres. Faut que j'appelle le gars.
gardien parce que j'ai plus de l'eau chaude. J'ai pas d'eau froide dans la cuisine. Je vais l'appeler, il va venir arranger ça. Et après, parce qu'il faut voir les meubles. Et après, on se reprend, on se revoit. Mais Choupiao, attends. A few moments later. Le monsieur, il va appeler un plombier. Il va venir voir. Et moi, je vais retourner à mon ménage avec un peu de courant. Voilà, j'ai tout lavalisé, c'est en train de sécher, je suis en chaussettes. Donc je vous montre la salle de bain et on finit le vlog, les chouchous d'amour. Venez avec moi, je vais vous montrer la salle de bain. Donc, ah oui, regardez, ça c'est le chauffage, c'est un truc avec écrit 222 degrés. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas? Pourquoi vous voyez pas? Moi je vois 222 degrés, qu'est-ce que je dis 222 degrés? Et là on a le visiophone, quand vous sonnez en bas de chez moi, je vous vois. Dès que ça sonne, bah, ça s'allume. Ça s'allume automatiquement. Et là pour ouvrir la porte, bref. Après là, regardez, on a un placard. Ça, ce sera pour mettre mes chaussures, je pense. Ce placard. Donc pour le ménage, je sais pas encore. La salle de bain. Voilà, la cuisine. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je suis surexcitée, je suis bizarre. Donc ça, c'est la douche. Faudrait que je mette une tringle et un rideau de douche. Les toilettes, on s'en fiche. Et voilà. Ah oui, si, j'ai un chauffage pour les serviettes aussi. C'est trop bien, ça. Un porte-serviette. J'ai mis ma serviette pour les mains, pour m'essuyer les mains. Donc voilà. J'ai javelisé la cuisine. J'ai tout nettoyé. C'est propre, 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 propre. Comme un sous neuf. Et j'ai commencé à mettre des trucs sur ma table de chevet et tout. Donc là, je vais aller... Si je faisais ça, j'ai une idée. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre ces fleurs-là. Et je vais les mettre là. Voilà. Waouh. Waouh. Mes choupiots, on finit le vlog comme ça. C'est la fin de la vidéo. Prochaine vidéo, je sais pas si c'est la prochaine, mais les prochaines vidéos sur l'appartement, ça sera mon appart tour de mes 26 mètres carrés, ou 24 mètres carrés plutôt. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous assure que c'est tout ce que j'ai à dire. Bientôt, ça sera bien meublé, ça sera encombré, j'espère pas. Parce que quand même, je vais acheter un beau miroir. Et voilà. Allez, mes chouchous, je fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ça fera super plaisir. Et moi, je vous dis à très à la prochaine vidéo. Tchuss, bye bye, bisous, bye bye.